Alors, Exodata est une entreprise de services numériques qui œuvre pour accompagner les entreprises dans la recherche de l'amélioration de leur performance au travers trois domaines d'activité. Le premier qui est l'accompagnement des démarches d'amélioration des processus et de l'organisation au projet de l'entreprise. Le deuxième qui est l'édition et l'intégration de logiciels métiers comme la business intelligence. Et le troisième domaine qui est un petit peu plus technique dans l'hébergement et la gestion des systèmes informatiques en environnement data center. Déjà, on a récemment élargi le champ de nos compétences en intégrant des nouvelles activités dans la business intelligence et dans l'accompagnement en mode projet. Également un développement en géographique, parce qu'actuellement on est à l'étude pour implanter nos activités sur la Nouvelle-Calédonie avec une ouverture d'une implantation pour le premier trimestre 2017. Depuis le lancement des activités d'Exodata, on a eu une démarche innovante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est installé sur la Technor et la Technopole, pour se constituer un écosystème permettant d'implémenter ici localement des services et des technologies permettant d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Ce qui nous a permis également d'étendre nos activités géographiquement, parce qu'on a dupliqué le modèle aux Antilles, puis en métropole. Et ça nous a amené petit à petit aussi à innover et à diversifier notre offre de services en partant sur l'infogérance et la gestion de services informatiques en H24, ce qui nous a permis de gagner différents marchés pour différents de nos clients, permettant de pouvoir nous implanter au Canada, en Russie et plus récemment à Singapour.